Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 17 mars 2024. Il est 17 h et j'ouvre la 11e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est Ishtar, Isis, la pléiadienne Ishta de Héra et l'invention des capsules holographiques d'immersion que l'on appelle MedPod en anglais et les lits médicaux appelés MedBeds en anglais. Ishtar, de son vrai nom extraterrestre Ishta, est originaire d'une lignée royale appelée les Patals, qui sont hautement spirituelles et au service des autres. C'est l'une des plus anciennes races venues d'un autre univers qui donna naissance au fil des générations au Tal, T2ALS, dans la constellation de la Lyre. Leur planète ayant été attaquée, les Tals durent s'envoler vers les Pléiades et d'autres systèmes stellaires pour échapper à la colonisation par la lignée des Draco-reptiliens. Le groupe des Patals s'était éloigné de leur société, orienté vers soi plutôt que vers les peuples, et ils voulaient être au service des autres. Ishta désapprouvait fortement les actions des femmes Tals des Pléiades, car elles sont dominatrices et manipulatrices, et pour également s'en éloigner, elle décida de rejoindre la Fédération Unie des Planètes dans une base spatiale andromédienne appelée Viera. Le vaisseau a 30 000 ans d'âge. Dans un premier temps, et avant de rejoindre Viera, Ishta avait choisi la planète Héra pour échapper aux persécutrices Tals et elle se cacha avec sa fille dans les forêts près du lac des Hauts Plateaux, près de la montagne Pic de la Mer. Ce pic ressemble tant par sa forme que par son nom au mont Cervin en Suisse. Pendant toutes ces années d'intervention et d'accomplissement de sa mission sur Terre, Ishta vivait essentiellement dans son vaisseau. Elle faisait des allers-retours entre différentes planètes et elle allait de la Terre vers Tiamat, Sirius et Jupiter, car elle travaillait beaucoup avec les Syriens et les peuples d'Enki et Enlil. Après la catastrophe de Tiamat et la destruction des biotopes terrestres, la Fédération Galactique avait décidé de créer une immense bibliothèque biologique qui rassemblerait tous les ADN de la faune, de la flore et de l'humanité terrestre. La personne la plus apte à mener ce projet était Ishta. Elle était exo-anthropologue et archéologue et généticienne car elle avait appris la génétique auprès des Étortans, les grands gris à nez plat, originaires de la planète Étor qui orbite autour du soleil Bételgeuse dans M42, la constellation d'Orion. Elle était experte en génétique fréquentielle et holographique. Ishta créa donc une première bibliothèque, une première base de données d'ADN qu'elle conserva. Elle en fit ensuite deux copies. Sur Terre, on appelle ces banques de données des arches. Les arches ne sont pas vides et ce ne sont pas non plus des conteneurs réfrigérés pour garder l'ADN par cryoconservation. Ce sont des dispositifs de haute technologie dotés d'intelligence artificielle capables de reproduire les fréquences de l'ADN tout autant que de se défendre contre toute ouverture forcée. Pendant toutes ces années d'intervention sur Terre, Ishta vivait dans son vaisseau spatial. De manière stratégique, elle a donc pensé qu'elle devait garder l'original près d'elle et créer deux autres exemplaires qui devaient être gardés dans des endroits hautement sécurisés sur Terre. Le prototype
qu'elle a gardée près d'elle à bord de son vaisseau s'appelle, sur Terre, l'Arche de Michaël. L'Arche d'Alliance est la première copie qui était cachée dans la base égyptienne de la Fédération Galactique, que vous connaissez maintenant, qui est sous la pyramide de Gizeh et le Sphinx. Et la deuxième copie, donc la troisième arche, c'est l'Arche de Gabriel. Ce conteneur a été sous le contrôle musulman jusqu'en 2015, lorsque la Russie a fait un échange secret et l'a emmené à la base souterraine de Vostok, au pôle sud, qui appartient à la Russie. Ces conteneurs peuvent communiquer grâce à leur intelligence artificielle intégrée avec des vaisseaux spatiaux extraterrestres désignés par reconnaissance de leur ADN à eux, notamment celui d'Ishtar, ainsi qu'avec les forces alliées de la Fédération galactique. Ils peuvent repousser ce que l'intelligence artificielle considère comme des menaces, et c'est ce qui a amené les Terriens à dire qu'elles sont protégées par Dieu et qu'elles possèdent d'étranges pouvoirs divins. Vous pouvez retrouver une présentation d'Ishta et toute la symbolique qui l'entoure dans la vidéo numéro Clairement, 2022 donc. 107 du 30 novembre C'est donc 2022, ce travail de qu'il lui est collection de données entièrement d'ADN consacré. et la création des trois bases de données qui donna à Ishta l'idée de concevoir des capsules pouvant émuler le travail des pyramides. Les pyramides sont des systèmes lourds qui ne peuvent pas être déplacés et qui ne sont plus fonctionnels de toute façon. Elle voulait donc les remplacer avec un système plus léger, mobile et qui utilise les technologies récentes et hautement avancées de sa lignée extraterrestre. C'est en cherchant cette alternative qu'elle conçut des capsules qui pouvaient recevoir un corps qui serait relié aux données d'ADN qu'elle possédait. Elle avait dans l'idée de créer des capsules qu'il serait possible d'emmener sur un vaisseau et qui permettraient à la fois la conservation des ADN en cas d'intervention d'urgence, la guérison des maux physiques et mentaux des populations qu'elle aidait, et l'élévation de conscience pour le transfert vers un autre corps. Les capsules d'immersion ont par la suite permis à de nombreux émissaires extraterrestres, les Starseeds, de transférer leurs fréquences dans des corps physiques terrestres pour exécuter des missions sur Terre, notamment pour la rééquilibrer et participer à la transformation des populations humaines en développement. Elle a conçu deux nouveaux types de conteneurs. Les capsules holographiques d'immersion pour les Starseeds, les émissaires stellaires en mission ici sur Terre, et une version plus légère des lits médicaux qui permettent de guérir l'aspect physique. Ces capsules sont bien plus efficaces, beaucoup moins lourdes et beaucoup plus mobiles que les pyramides, et elles peuvent être utilisées à bord de Viera, sur une planète ou à bord d'un vaisseau spatial individuel. Elles utilisent deux types de technologies, la technologie sèche et la technologie humide. La technologie sèche permet la guérison de maux allant d'une blessure superficielle à la guérison du cancer ou d'handicap de naissance ou la réatomisation du corps en 2 minutes, ainsi que le rajeunissement pour revenir à l'âge de 17 ans pour les extraterrestres, mais de 33 ans pour les terriens. La technologie mouillée, où l'on s'allonge dans une capsule, cette capsule se remplit d'un liquide de couleur ambre qui contient toutes les données d'ADN pour maintenir les corps originaux des Starseeds fonctionnels pour aussi longtemps que dure leur mission. La gestion des corps et l'alimentation fonctionnelle de la capsule sont assurées par une intelligence artificielle. Cette capsule permet également
la remise en état total du corps physique. L'un des amis de Zen, qui s'était crashé dans un désert en faisant la course avec un autre pilote, et ce pilote s'était crashé sur le désert, tout était cassé, ses dents, ses membres, etc. Il a été emmené en urgence à bord de son vaisseau mère, et là, mis dans une capsule holographique où son corps a été remis en parfait état. Et évidemment, il y a eu un rajeunissement de tout son physique. Donc, il est revenu à l'âge de 17 ans, mais au moins, il était sauvé et sain et sauf. Voilà, j'ai terminé ma présentation qui est assez courte pour vous permettre de poser toutes les questions que vous voulez sur tous les aspects de, à la fois de la vie d'Ishtar et ou les capsules de guérison et d'immersion.